Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 15e épisode sur Diablo 4 avec notre sorcier comme d'habitude et nous devons aller jusqu'à Zarbiné. Et donc on a un bon petit chemin à faire, on va quand même se téléporter ici à je retiens pas les noms. Sarak. Et comme ça au moins on a moins de route à faire. Personne. Ah. Dans les provinces d'Aweza. Des bugs avec les codes du bien, on est trop proche d'un mur ou du genre, une base de glace prend le mur. Yeah.
Bon, nous voilà à Zarbinzat. Vous étiez une disciple d'Elias, Thaïssa ? Je pourchassais Elias. Faire semblant d'étudier. Nous devons le dépouiller de son immortalité. Il ne peut pas échapper éternellement à son châtiment. Oui. Et sans Elias, nous aurons peut-être plus de chances de vaincre Lilith. Bon, par où commencer ? Chercher Timué dans les marais. Elle a conclu un pacte avec la force qui y demeure pour prolonger sa vie. Elle saura peut-être comment se débarrasser d'Elias une bonne fois pour toutes. Nerel et moi allons commencer à la chercher. Et Donan ? Il a fort à faire avec la pierre d'âme. Un lourd fardeau à porter seul. Il serait peut-être judicieux de lui offrir de l'aide. Ok. Donc, on va parler à Donan. Je ne crois pas. Je dois m'occuper de la pierre d'âme. Lorat s'en sortira très bien tout seul. Un fort du Zakharum se tient au nord-est. Nous savons que la haine y est très présente. Nous pourrions nous en servir pour préparer la pierre d'âme qui emprisonnera Lilith. Votre aide me serait précieuse. Ok, donc là on a deux choix. Soit on va ici, on va là pour aider Donan. On va faire le choix d'aider Donan en premier. Dans l'histoire, pourquoi on combat des clercs, des chevaliers errants, etc., qui sont des partisans de la lumière. Yeah.
Un truc avec le, un des pouvoirs passifs. Celui-là. Lorsque vous infligez des dégâts de froid à des invulnérables, vous avez à 20%. Okay. En fait, c'était systématique. Voir si c'était trop facile. À faire. Sentez ça. La présence de Mephisto est forte ici. Toute cette haine. C'est exactement ce qu'il nous faut pour harmoniser la pierre d'âme, pour y enfermer l'élite. Je suis trop vieux pour les acrobaties, mais vous pouvez vous faufiler à l'intérieur et relever la herse. Yeah.
Tu fais le tour comme un con, moi. Ah non, la RC. Voilà enfin. Dépêchons, cet endroit me donne la chair de poule. On aurait dit qu'il me plottait. C'est encore pire ici. On doit être au bon endroit. Que je n'ai plus combattu. J'ai perdu l'envie de combattre. La haine persévère, malgré ce qu'il y a ici. Elle est assez puissante pour s'harmoniser avec la pierre d'âme. Eation, Dan, Nis, Berry, Dis, Tom, Ikilumun. Bon sang. Pourquoi ça ne marche pas? Lorsque Yorin... Astaroth. Savez-vous comment réparer ça? On va avoir besoin de matériaux rares, du vif argent pour commencer, et des outils alchimiques. Il y a un village pas loin d'ici, où nous trouverons peut-être ce qu'il nous faut. Rejoignez-moi dès que possible. Niveau 33. Bon, on va mettre ça ici. Dans un grand papier, ça augmente les dégâts, même si on en subit plus. Y a-t-il des choses intéressantes ici? Plus un téléportation. Ouais. Un petit peu plus d'armure. Chance d'obtenir une barrière sur les critiques.
Non, le chance de tenir des coups critiques sont augmentés tant qu'on a une barrière active. Ok, bon. Non merci. Ah, un orbe gelé, ça c'est bien. Et les éclats de glace, bah ça éclat de glace, je m'en fous, j'utilise pas éclat de glace. Donc c'est gagnant. Alors 288 critique gelé, dégâts sur la durée, ouais. Plus 6 à toutes les caractéristiques, puis non. Non. Ok, donc ça, bon, ça dégage. Ça aussi. Ça, bah, faut voir ce que je peux avoir en main gauche. Et puis. Ouais, c'est ça. Je vais graver le. L'aspect, mais pour finir, il sert vraiment à rien. Et éclat de glace. C'est pour. Ça. La glace, bah oui. Alors, tu vas aller où le village? Il est là. Ah, c'est chiant dans l'histoire, on peut pas quitter les donjons. Qu'est-ce donc? Ouais.
You, on est parti! Non, il est là! Non, il avait disparu de la carte, j'ai cru qu'il avait disparu instantanément, c'est bizarre. Allez, faut le finir avant qu'il se téléporte. Oui! Ouf, la limite! Je vous le répète une fois de plus, quoi que vous cherchiez, nous ne l'avons pas. Comment longtemps elle est partie? Vous ne pensez pas? Elle est de retour? On ne trouvera pas ce dont on a besoin ici. Notre village est au beau milieu d'un marais. Il doit bien y avoir un indice. Je perçois de la magie dans ce marais, et là où il y a de la magie, il y a des adeptes de la magie. Si c'est une sorcière que vous cherchez, allez à la tour. Le feu allumé indique qu'elle est chez elle. Il semblerait qu'on s'apprête à rencontrer une sorcière des marais. Prudent. Fais bien attention à toi, Senam. Les sorcières sont de retour. La sorcière de la tour. Oh Radrim, je pensais que vous rentriez dans le décor. Certes, eh bien. Et pourquoi vous aiderais-je? Eh bien, nous voulons aussi la mort d'Elias. Certes, mais réparer la pierre d'âme, cela implique Lilith, et elle n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste un peu de vif-argent et ces quelques outils. Vous savez qu'une demande modeste devient souvent plus conséquente. Mais vous m'avez aidé à survivre à l'invocation d'Andariel. Mes outils sont donc les vôtres. Vous devrez aller voir Valta pour le vif-argent. Trouvez-la, et elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Alors c'est trouvé là, débrouille-toi. Il y a un ennemi en rouge.
attaquer, c'est parce qu'il y a une tête à se faire en gros. Cette Valta. Ça vous arrive souvent de fureter chez les gens. Taïssa vous a, sans le savoir, envoyé à votre mort. Elle finira par réaliser la futilité de la traque qu'elle mène contre Elias. Et elle saura alors que Lilith incarne notre futur. Elle est corrompue, madame. Maintenant.
dans l'invulnérable, pas de dégâts, c'est une démo. Zara avait du vif argent sur elle. Bon, j'imagine que là on peut se téléporter. Vous êtes de retour. Placez le vif argent purifié dans la coupe sur la table. Et comment allait ma sœur ? Valta a préféré Lilith à votre amitié. Elias l'a convaincue de se joindre à lui. C'est impossible. Elle n'aurait jamais fait confiance à quelqu'un comme Elias. Ce n'est pas Elias qui l'a séduite. C'est Lilith. Elle a trouvé ses aspirations convaincantes. Valta a été mon instructrice lorsque j'ai rejoint cette voie. C'est... Difficile à croire, je sais. J'ai vu nombre de mes alliés passer dans le camp de Lilith. Des gens que je croyais plus solides que ça. Mais c'est pourquoi nous devons réparer la pierre, afin que plus personne ne croie à ces mensonges. Tout d'abord, dommage, c'est un plus de fou. Le vif argent. Versez-en un peu dans le récipient. Augmentez la flamme. Tournez la roue deux fois. Ou est-ce que c'est trois fois? Refaites encore un tour. Ah, le soufre. Broyez-le dans l'entier. Bien joué. Non, ça ne marche pas. Et la mort. Allons discuter dehors. Il n'est pas en état d'accomplir sa mission. Que pouvons-nous faire ? Je le soupçonne d'avoir perdu toute confiance en lui. Nous ne pouvons dissiper tous ses doutes. Mais pour le récent deuil de son fils, il y a un moyen. Par contre, il ne va pas lui plaire. Pourquoi l'aider ? Vous pourriez simplement nous abandonner à notre sort. De temps à autre, tout le monde a besoin qu'on lui rappelle qu'un danger peut être surmonté. Il suffit d'essayer. Oradrim, venez par ici. Hein ? Pourquoi ? Je veux vous emmener quelque part. Un ancien site de puissance des marais. Je pense que ça vous fera du bien. Alors, le site est là-bas au bout. Mais avant ça, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Si tu es déjà abonné à la chaîne, je t'en remercie grandement. Et quant à moi, je te dis à la prochaine aventure. Ciao. Bye bye.